Donc, cher ce matin sur la canoë, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps gris couvert humide, mais sans pluie pour le moment. Une température extérieure à 10 degrés. Cet après-midi, de la pluie, une température à 15 degrés. Température de l'eau à 14 degrés. Une marée qui est en train de monter. Fin du montant. Le plein haut est à 10h05. Les coefficients sont de 78. Et sur cette fin du montant, le vent est onshore. Ouest-nord-ouest. Trois beauforts établis. Pas plus. Point plus. Le plan d'eau est juste clapot, il n'y a pas les moutons. Et on a cette houle qui est longue avec en seconde période orientée nord-ouest. Elle est multipique, elle est en nette atténuation pour un déferlement régulier à 1,50 m et sur les séries il y a 2 mètres. C'est en pic, c'est agité, le vent n'est pas hyper violent. On est passé de conditions médiocres à conditions moyennes. Il y a quelques bouts qui arrivent à passer de ci, de là, même si c'est quand même pas folichon. Il n'y a pas de quoi se jeter à l'eau en quatrième vitesse ce matin. Et puis il reste quand même un petit peu de taille, mais on voit quand même quelques vagues qui passent. Alors, à surveiller l'évolution pour le reste de la journée. Là, les prévisions que je vais vous donner, elles sont pas réactualisées, hein. Elles le seront au prochain report vidéo de 8h30, mais a priori, ça devrait donner ça. On a la boue Arcachon qui est encore un peu taillue avec 4,30 m et 8 secondes. On attend à 9h 2 mètres. Houle de nord-ouest en seconde de période, vent ouest-nord-ouest qui devrait se lever 3-4 à 13h 2 mètres. Houle de nord-ouest qui perd de la période, 10 secondes de période avec un vent qui passe nord-ouest et qui se lève 5-6. Et à 17h, 1,50 à 2 mètres, houle de nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-ouest 5-6, des conditions qui devraient se dégrader. Mais c'est à confirmer avec les prévisions réactualisées lors du prochain bulletin enregistré à 8h30. On vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure. Merci.